XLPOS est composé de différents modules. Nous allons ici découvrir le module Gestion de projet de réassort. Le réassort est une étape qui se situe avant la commande fournisseur. Elle sert à préparer les approvisionnements des permanents ou à préparer vos campagnes d'achat. Nous allons demander à XLPOS de nous approvisionner les articles de la famille déco sur l'ensemble des fournisseurs de la famille décoration, de calculer les quantités vendues depuis le 1er janvier et de proposer des réassortiments en fonction des ventes réalisées sur cette période. Nous allons lancer le calcul. XLPOS nous propose une liste d'articles à réimprévisionner selon les critères que nous avons sélectionnés. Pour le vase Giardino, effectivement, nous voyons qu'ici, en 2008, nous l'avions donc régulièrement tous les mois, que nous avons vendu depuis le début de l'année 17, et nous avons une évolution du stock, soit au jour, soit à la semaine, soit au mois. Donc ici, au mois de janvier, nous avions 19 pièces en début de mois. Nous avons vendu 6 au mois de janvier, il nous reste en fin de mois 13 unités. Nous avons la possibilité d'ajuster la quantité, de consulter les stocks des différents magasins. Donc ici, il m'en reste 2 en stock. De consulter les conditions fournisseurs. J'ai 2 fournisseurs possibles sur ce produit avec des remises quantitatives par fournisseur. Il est possible également de rajouter des lignes produits ou de supprimer des lignes produits. Nous pouvons demander une totalisation du projet de réassort en fonction du fournisseur, en fonction du dépôt de livraison, puisque ce projet de réassort concerne plusieurs magasins, ainsi qu'un cumul par famille produit. Il est possible également de compléter cette liste en passant par une importation des saisies faites sur des terminaux d'inventaire. Nous pourrons ajuster ce projet de réassort et celui-ci terminé, nous pourrons procéder à la génération des commandes fournisseurs. XLPOS va nous générer autant de commandes qu'il y a de fournisseurs différents sur ce projet de réassort. Ici, 3 commandes fournisseurs. Nous pouvons les imprimer, les consulter. Chaque ligne du projet de réassort change de statut et passe en commandé. À mesure que la marchandise va arriver, elles passeront en reçu. Les marchandises étant arrivées, vous allez pouvoir déclencher des transferts interdépôts pour réassortir les magasins en fonction des quantités prédéterminées sur chacun des points de vente. Le projet de réassort vous permet de gérer l'approvisionnement de vos permanents, de réapprovisionner en fonction des ventes réalisées sur une période antérieure ou de préparer vos campagnes d'achat. Il existe de multiples façons d'utiliser ce module. Merci pour votre attention.